Bonjour, je suis le matelot Guillaume, j'ai 19 ans. Je suis opérateur sur nave au sémaphore du Dramont, que vous pouvez apercevoir. En tant que guetteur de la flotte, donc opérateur sur nave, je suis derrière un écran et aux jumelles pour observer la mer, observer les mouvements de navires et remplir des fiches afin de les transmettre aux différentes autorités travaillant pour le préfet maritime et de remplir des de grandes missions des sémaphores qui sont la posture permanente de sûreté maritime et l'action de l'État en mer. En saison estivale, cela va permettre énormément d'aider la personne de quart, la décharger d'une grande partie du travail qui est de l'observation immédiate de proximité et à longue distance avec les radars. All right, I'll copy. Can you confirm the number of crew and passengers on board? En effet, les interrogations VHF sont principalement en anglais, donc la maîtrise de la langue anglaise est assez indispensable pour ce rôle d'opérateur sur nave. All right, sir, I'll copy. Back to 162, good watch. En étant en classe préparatoire, je suis le même rythme que les lycéens. Et mon contrat de réserve est un contrat de 30 jours dans la réserve par an, ce qui me permet de planifier ces 30 jours sur des périodes de vacances scolaires, qui me permet de concilier la vie personnelle avec la vie de lycée et la vie militaire. Les meilleurs souvenirs, ce seront les moments de convivialité qu'on peut partager avec nos camarades, avec nos collègues, l'esprit d'équipage qui est réellement présent. Également des journées où on a des opérations qui se finissent bien, des moments où les plaisanciers nous remercient pour les conseils, pour le soutien et la surveillance qu'on leur apporte. Alors le conseil que je donnerais, c'est de ne surtout pas hésiter. On en ressort forcément grandi de l'aventure avec que du positif, donc de ne vraiment pas hésiter, c'est une très belle aventure à vivre.